Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir un événement régional très typique de la région. Nous sommes dans le Gard. Alors expliquez-nous déjà où sommes-nous. Les arènes de la ville d'Uzès, qui est des arènes qui ont été construites il y a plus de 40 ans, mais qui ont été améliorées au début des années 2000. Et il se fait ici en principe des courses de taureaux mondiales à la cocarde, avec des raseteurs, c'est des hommes en blanc. Mais là, le concept de ce soir, c'est le fameux taureau piscine, qui habituellement est beaucoup organisé dans les périodes des fêtes votives, dans les villages, dans les villes. Et il y a des primes en jeu. D'accord. Donc ils sont là pour venir gagner de l'argent. Du coup, est-ce que c'est un réflexe de l'animal ou est-ce que vous formez, vous entraînez ces animaux d'une façon ou d'une autre? Comment ça se passe? Non, là c'est. L'animal déjà il est sauvage. Que ce soit une vache ou que ce soit un taureau, l'animal est sauvage. Après, ça dépend le comportement que la bête peut avoir en piste et puis le jeune qui va venir s'amuser avec. S'il est au plus près de la bête, il va encourir plus de risques que s'il est trop loin. La bête, elle est sauvage, viens ici que je t'attrape. Voilà. Ce qu'il faut savoir que chez nous, la culture sud, Gard, Hérault, Bouches-du-Rhône, le taureau il est roi. Donc là ils ont fait un concept avec des. Vous verrez, vous allez participer à la soirée, des ballots de paille où le but du jeu, et les jeunes, il va falloir qu'ils fassent monter la bête sur le ballot de paille. Directement. D'accord. La piscine, c'est très simple, ils vont faire des jeux. Et souvent, c'est le jeu du traversier de la piscine. D'accord. Donc si le jeune, où il y a des filles, hein, des filles comme vous, hein, qui sont courageux et qui arrivent à faire traverser la vache dans la piscine ou le taureau, eh bien, il va gagner sa prime. D'accord. Après, c'est l'animateur. Parce que là-bas, vous avez en face de nous, vous avez un DJ qui est en train de s'installer, qui lui, il va animer. Excellent. Qui va animer la soirée. De long en large, il va un peu allumer les jeunes, il va mettre de la musique moderne, pour mettre l'ambiance et tout, pour que le spectateur participe. Et puis voilà, et puis que tout se passe bien et qu'on se régale pour une soirée. Quoi. Excellent. Et manade, c'est quoi? Alors, une manade, c'est élevage. Ça peut être élevage de taureaux comme élevage de chevaux. D'accord. Voilà, parce que dans une manade, s'il y a des taureaux, obligatoirement, il y a des chevaux. Oui. Parce que les taureaux, on ne va pas les chercher comme ça à la main. Que le taureau de Camargue, si je veux faire un exemple, le taureau espagnol se vend donc, pour la corrida, comme on sait très bien comment ça finit, et le taureau de Camargue se loue. D'accord. Ça veut dire que le matin on le trie, le soir il revient au pays.